Comment lutter contre la prolifération de chiens et de chats et surtout éviter les abandons? À Tubuai, aux Australes, près d'une quarantaine d'animaux ont été stérilisés entre le 24 et le 28 octobre. Une initiative de l'association Tubuai Animalia. C'est un couple de vétérinaires de Jurutu qui a officié. L'association a financé une partie des opérations. Écoutez Graziella Rossi au micro de notre correspondant Joheyer et Hariva. Cette semaine, il y a eu plein de rajouts et on doit être à 35, presque une quarantaine d'animaux à stériliser pour cette semaine. On travaille avec le vétérinaire de Rurutu, c'est sa deuxième mission avec nous. Il reste une semaine et on travaille en partenariat. Le but, c'est de limiter les animaux errants sur l'île et puis la population de chiens errants et chats errants. Après, voilà, il faut s'occuper de son animal et c'est donner aussi une bonne image de notre île pour les touristes et puis pour nous aussi, hein, c'est une question d'hygiène hein, aussi. Hein. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.